et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TEDIS VAP. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre, 16e jour de ce calendrier de la VAP, et on se retrouve avec une marque de pod, mais ce n'est pas vraiment du jetable, ce n'est pas le pod que vous allez jeter, ce sont les cartouches que vous allez jeter. Donc là, pour le coup, moi, je l'ai déjà testé, donc celle-ci est à changer. On est avec la Star Mini de chez SP2S. Vous connaissez SP2S parce qu'on a déjà parlé de cette marque-là sur le calendrier de la VAP en début de calendrier. Cette fois-ci, on revient avec le Star Mini. Donc là, cette fois-ci, vous gardez la batterie, vous jetez juste la cartouche qui est vide. Écoutez, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est 265 mAh. Donc c'est très peu, mais en soi, c'est pas gênant parce que ça recharge assez vite. C'est une charge en type C qui se fait juste sur le bas, donc vous pouvez la recharger. Ça recharge assez rapidement quand même. Vous avez environ 10 watts de délivré. Donc, bah écoutez, ça fait un bon MTL quand même. Pour l'avoir testé, c'est déjà vraiment pas mal. Vous avez au total 15 saveurs aussi qui sont proposées. Et là, pour le coup, on a Pink Limonade. Donc, on va pouvoir installer le Pink Limonade. Voilà. Donc, voilà. Comment ça se présente? Vous avez deux embouts en silicone. Juste celui-ci, vous venez de retirer celui-ci aussi. Vous le posez. C'est aimanté, ça tient bien et vous pouvez directement vapoter. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez 2 ml de liquide dedans, ce qui fait l'équivalent de 600 puffs. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de savoir, c'est ce que ça donne au niveau de la saveur, au niveau de la vapeur. Donc je vous laisse découvrir. Donc au niveau de la vapeur, vous voyez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas énormément de saveur. Mais en même temps, 2065 mAh, 10 watts de délivré, on ne s'attend pas à quelque chose qui va faire des gros nuages. Mais ça fait très bien le travail. Au niveau des saveurs, on est sur de très très bonnes saveurs, vraiment très très bonnes saveurs. Donc moi, je vous le recommande quand même parce que ça fait quelques jours que je l'utilise. Vous voyez, j'ai déjà fini un réservoir. Et franchement, ça fait très bien le travail. Ça fait très bien le travail. C'est un bon MTL. C'est un tirage très restreint. Ça, pour le savoir, c'est très, très restreint. C'est un MTL, vraiment serré. Mais on est sur quelque chose de vraiment très bien. Donc, je vous le recommande. N'hésitez pas. Les liens sont dans la description, évidemment, pour vous le procurer. Et bah, écoutez, moi, il me reste qu'à vous souhaiter une agréable journée. Vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et une bonne vape à tous. Thank you.